Bien sûr, vous connaissez Medjugorje, une petite ville en Bosnie, où 6 enfants ont vu la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu. Depuis 36 ans, Marie guide ce village pour qu'il devienne une grande école, une école de la prière. Depuis le ciel, Marie voit tout. Elle a vu que notre problème, c'est la prière. Nous avons perdu la prière sincère, celle qui vient du cœur. Elle vient des étoiles, nous réapprendre à prier. Ne soyez pas vexés, acceptez l'aide de Marie. Bien sûr, c'est Jésus qui donne les grâces. Mais Jésus ne peut rien refuser à sa mère. Elle nous rappelle que le jeûne est important. Jésus lui-même jeûnait. Tous les grands saints ont jeûné. Évidemment, on n'est pas des grands saints. Mais on peut devenir des saints ordinaires, des saints qui vivent leur vie normalement, qui ne font rien d'exceptionnel, qui mettent simplement Dieu à la première place. Des gens ordinaires, des simples Français. Cette grande aventure commence par la prière. Alors, je vous en prie, priez avec le cœur et écoutez Marie à Medjugorje. Jésus pleure. Au Mexique, dans la ville d'Aguascalientes, une image du Sacré-Cœur de Jésus pleure. Les larmes de Jésus sont pour le propriétaire de l'image. En général, si c'est des larmes humaines, Jésus est triste. Si c'est du sang, Jésus est encore plus triste. Si c'est de l'huile, Jésus veut soulager les souffrances, où il reconnaît vos souffrances. Depuis le 16 novembre 2010, l'image pleure. Ce phénomène s'est répété 22 fois jusqu'au 9 juillet 2011. Thank you.